Blake Lively affiche toujours une silhouette de rêve. Et ce même après avoir donné naissance à 4 enfants. Quel est donc son secret? S'il y a bien une chose qui peut faire culpabiliser, si est-il le corps d'une star post-grossesse? Certaines semblent n'avoir jamais porté un petit bout de chou pendant 9 mois tant elles affichent des silhouettes longilignes et impeccables. Et il y en a une qui est plutôt douée en la matière, Blake Lively. Révélée par le show culte des années 2010 Gossip Girl, celle qui incarnait la sublime Serena Van Der Woodsen, est maman de 4 enfants, le petit dernier est né en avril dernier de son union avec le célèbre acteur Ryan Reynolds, ils sont pour rappel déjà parents de James, Inez et Betty. Son secret? L'interdiction formelle de 2 aliments. Car, la star de 36 ans affiche toujours un corps de déesse. Alors quel est le secret de l'actrice américaine au sourire si rayonnant? En août 2016, alors qu'elle était enceinte de son 2e enfant, Blake Lively a dévoilé ses tips sur les ondes d'une émission australienne, comme rapporté par 7 sur 7. Elle a révélé ce qu'elle avait fait pour perdre les kilos de sa première grossesse. Quand vous voyez votre corps après avoir accouché, vous vous dites que si est-il beau parce que vous avez donné la vie. Mais vous vous dites aussi, oh mon Dieu, mon corps ne ressemblait pas à ça. Vous avez l'impression que vous ne retrouverez jamais votre corps d'avant, mais en fait, si est-il possible, a-t-elle fait savoir. Pour retrouver son corps si somptueux, la meilleure amie de Blair Waldorf, Leighton Meester dans Gossip Girl, a supprimé 2 choses de son alimentation. Il y a d'abord le gluten, mais aussi le soja. On pense que si est facile, mais en fait, il y a du soja un peu partout, dans tous les plats préparés, même quand si est bio. Donc en fait, quand on fait ce régime, on élimine tous les aliments transformés, a confié Blake Lively révélant à quel point ce challenge n'a pas été des plus faciles. Mais pas de frustration pour autant, car l'épouse tant aimée de Ryan Reynolds a continué son péché mignon, les desserts. Heureusement, j'ai pu continuer à manger du sucre, mais avec modération, a lâché la star. Alors prêt.es. Pour essayer,